Coucou les French Learners! Aujourd'hui, c'est la 23e session, la session numéro 23 du défi de mars pour dessiner ensemble et pour acquérir le français naturellement et avec plaisir. Parce que tu n'as pas besoin d'étudier le français, tu n'as pas besoin de mémoriser des listes de vocabulaire pour acquérir le français. Tu as juste besoin de me comprendre, de comprendre le message et tu peux dessiner avec moi pour t'amuser. Alors aujourd'hui, je vais raconter le début d'un conte japonais. Le conte japonais que je vais raconter et dessiner aujourd'hui s'intitule le grand-père qui faisait fleurir les fleurs, qui faisait fleurir les arbres. C'est joli comme titre, n'est-ce pas? C'est poétique. Il y a longtemps, il y avait un grand-père. Il y avait un homme qui était vieux. Il n'était pas jeune, il était vieux. C'était un grand-père. Alors, dessine la tête du grand-père et les cheveux du grand-père. Il a les cheveux courts, les yeux et les sourcils. Le grand-père a des gros sourcils. Des gros sourcils. Et le nez et la bouche du grand-père. C'était un grand-père. Il était vieux. Il était âgé. Et le grand-père avait un chien. Alors on va dessiner un chien. Dessine. Non. Non, non, non. Dessine un ovale et sur l'ovale, dessine un demi-cercle, les yeux du chien, le nez du chien, la bouche du chien et les oreilles du chien. Maintenant, dessine le corps du chien. Le corps avec les pattes. Une patte, une autre patte et une patte, une autre patte, une autre patte et la queue du chien. Le chien a une queue aussi. Donc le grand-père avait un chien et le grand-père aimait. Il aimait beaucoup, beaucoup son chien. Il l'aimait tendrement, avec tendresse. Un jour, le grand-père était dans le jardin. Il était dans son jardin. Alors, dessine de l'herbe. Dessine de l'herbe. Dessine un arbre aussi. Un arbre. De l'herbe. Des fleurs. Tu peux dessiner des fleurs, des plantes. Le grand-père était dans son jardin. Il travaillait dans son jardin. Alors tu peux dessiner une pelle. Il avait une pelle dans sa main parce qu'il travaillait dans son jardin. Il jardinait. Il faisait du jardinage dans son jardin. Il travaillait dans son jardin, il jardinait, quand soudain,
Soudain, le chien a aboyé. Il a aboyé. Waf, waf. Le chien, waf. 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 Le chien a aboyé, aboyé, il aboyait très fort. Et le chien était près de l'arbre. Et il aboyait, il aboyait. Alors, le grand-père était surpris. Oh! Le grand-père s'est demandé, il s'est demandé. Mais pourquoi? Pourquoi mon chien, pourquoi mon chien aboie, waf waf, aboie comme ça? Pourquoi mon chien aboie comme ça? Ce n'est pas normal. Il a pensé, mais pourquoi? Normalement, mon chien n'aboie pas comme ça. Waf waf, ce n'est pas normal. Alors, comme le chien continuait, il continuait d'aboyer, waf waf, il ne s'arrêtait pas, eh bien, le grand-père a pris la pelle, il a pris sa pelle et il est allé près de l'arbre où le chien, où son chien aboyait. Et avec la pelle, il a creusé. Il a creusé, il a creusé et oh, il a découvert un coffre. Près de l'arbre, il a découvert dans le trou, il a découvert un coffre. Oh! Il a découvert un coffre et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Eh bien, pour savoir ce qu'il y avait dans le coffre, va sur notre site alissayel.com pour lire et pour écouter ce conte japonais. Le grand-père qui faisait fleurir les arbres. À demain !